Mais elle ressortit les talents de... Je voulais faire une vidéo sur l'amitié. Et je n'en connais pas de plus gai, de plus belle, de plus simple. J'en connais pas de meilleure que celle qu'on a eue et que celle qu'on a encore, j'espère. En faisant la vidéo, je me disais les images se suffisent largement à elles-mêmes. Et j'avais quand même envie de dire en mots à quel point ces années ont été les meilleures années de ma vie et le seront sans doute pour toujours. J'aimerais pouvoir dire en mots à quel point c'est important et à quel point on se sent libre quand on a des amis comme ça. À quel point on se sent bien, à quel point on a l'impression que rien n'est vraiment dangereux au final. Et à quel point c'est juste une chance d'avoir des amis sur qui on peut compter comme ça. Et en faisant cette vidéo, j'ai pas pu m'empêcher de me dire que ça appartenait réellement au passé. C'est ça qui m'a vraiment fait de la peine, plus encore que de voir à quel point on avait changé, à quel point 2008 semble si loin. Et j'ose espérer que dans 10 ans, j'aurai encore beaucoup de vidéos, beaucoup de photos, beaucoup de rires, de cris, de sourires, de blagues, pour faire encore une vidéo encore mieux. J'espère qu'on pourra dire « Oh, en fait, toutes les années sont les meilleures années de ma vie. » J'espère vraiment. Et je voulais aussi dire à quel point je suis reconnaissante. Et à quel point c'était vraiment bien. C'était vraiment, vraiment bien. Allez, j'ai des petits billets. Le Futuroscope, qui est un lieu merveilleux, qui est un outil de développement économique important. Il a dit. Ça va, c'est pas mal. Extraordinaire, donc on est formidable, donc on va se retrouver extra.